toujours accompagné et structure nous c'est Dorval et ensemble des avocats qui constituent dans le cabinet Bazoch Lofim pour défendre intérêts, droits et de M. Robinson Pierre. En fait, je dis à nous inviter la presse justement pour nous capables et présenter un ensemble des documents, un ensemble des démarches nous-mêmes et dans structure nous c'est Dorval et avocat M. Robinson Pierre nous initié devant la justice haïtienne, plus précisément par devant les doyens du tribunal première instance, M. Chavan Etienne et M. Walter, Wieser Walter. Nous gagnons 5 points dans le débat dans la conférence. Premier point, c'est requête que nous adressons auprès des doyens du tribunal première instance pour le président M. Chavan Etienne, côté que nous demandons pour désigner un nouveau juge pour traiter le dossier bâtonnier Montferrier d'Orval qui était assassiné le 28 août 2020. Nous présentons présenté à la presse une autre requête côté que nous adressé avec droit et juge d'instruction qui a traité le dossier de Robinson Pierre pour que nous demandions dans un délai record pour prononcer ordonnance de clôture. Nous gagnons un troisième point. Nous allons faire un avis, nous allons faire un avis scientifique, déontologique, moral par rapport avec demande en récusation en masse avocat la famille Bell exercée auprès de la Cour de cassation. Au côté que vous demandez pour dessaisir juge Jean-Wilner Morin et dessaisir tribunal Port-au-Prince sur dossier Romain Bella qui sont dossiers qui gagnent à corruption. Cependant, avocat ça, c'est des avocats qui sont là pour encourager la justice dans la bataille contre la corruption, dans la bataille contre la dilapidation, dans la bataille contre le trafic d'âme et la trier. Puisque, c'est directeur d'un institut des droits humains qui est Fondation Jéclairé et qui toujours a fait sortir des rapports en ce sens. Et je dis, nous, c'est lui-même qui est avocat Romel Bell et qui fait une demande en récusation en masse. Là, ça a posé plusieurs problèmes. Nous allons développer tout à l'heure. Nous, là également, pour nous exprimer solidarité avec M. Pierre Espérance, qui est un défenseur des droits humains, qui rend un pile service à la communauté haïtienne dans la bataille contre la violation systématique des droits humains. Et que la République dominicaine, à travers le président Abinader, mettait nul dans une liste qui gagnait des chefs de gang que tout le monde connaît. En d'un pays, il y a un avès, il y a un sans-avès. Nous avons également dénoncé mauvaise foi, autorité dans la justice, autorité dans l'État par rapport avec dysfonctionnement. Le tribunal a pratiquement gagné 2 mois depuis le tribunal là, il ferme. Pas gagné un justiciable qui est capable de bénéficier de morceau la justice, eh bien nous-mêmes, comme avocats, défenseurs des droits humains, nous ne sommes pas capables de rester indifférents par rapport avec une telle action. Pour nous développer point, nous connaissons le dossier M. Dorval qui s'est bâtonnier l'autre avocat pour le prince. Eh bien, dossier ça fait il y a un bon bout de temps depuis qu'il trouvé devant la justice, quand il subit un ensemble de tentatives d'effacement, quand il y a volé pièce à conviction, il y a volé dossier à reconstitution faite et dossier a été classé depuis des temps dans un coffre, dans une institution, dans la République là, et pas jamais gagné un juge qui désigné pour permettre instruction définitive ou l'enfer. Eh bien, nous-mêmes, dans l'organisation nous c'est Dorval comme une organisation qui est là pour défendre droit et permettre à ce que justice rende
sous question ça, eh bien nous avons adressé une requête auprès du doyen tribunal première instance là, côté que nous avons demandé pour désigner un juge pressé sur le dossier, eh bien, lui répondre favorablement avec requête nous avons adressé auprès de lui-même là, eh bien, je dis à gagner un juge qui désigné pour traiter dossier bâtonnier Montferrier d'Orval. Pour que l'instruction soit faite définitivement et tout le monde qui est impliqué ni de près ni de loin dans le cadre assassinat bâtonnier l'autre avocat pour au président pour répondre à la question de la justice. Mais nous-mêmes, nous invitons la presse, l'opinion publique nationale et internationale, c'est justement pour nous capables de tester bonne foi autorité au niveau de la justice haïtienne. Jodi an, nous gagnons un dossier ça qui est enregistré au numéro 16-80-03/23 et 11-15/29-20. Côté que gagnons juge Martin Jean-Claude qui est désigné pour traiter le dossier ça. Jodi an, jusqu'à présent, le dossier a déjà dans mes juges là. Pourquoi gagner acte d'instruction qui posait dans quatre dossiers ça et nous demander faut yo bay juge la moyen matériel financier sécuritaire pour permettre les mener dossier ça à bon port. Et jodi a nous adresser une demande formelle auprès des CSPJ qui c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire là pour permettre à ce que li bay moyen et solliciter moyens nécessaires pour permettre à ce que juge Martel Jean-Claude les gagne moyens pour mener dossier ça et relever tout le monde qui est impliqué, ni de près ni de loin, autant matériel, autant intellectuel, complice dans le cadre de dossier ça, et bien pour les bien faits sur dossier assassinat, bâtonnier Montferrier. Donc, nous-mêmes, comme nous pouvons nous partis civils, nous attendons le procès pour que nous-mêmes nous plaider au niveau tribunal criminel et permettre de gagner les biens qui fait et pour nous-mêmes nous soulager comme avocats qui subit directement mes faits d'assassinat, Maître Montferrier. Nous connaissons Maître Robinson Pierre-Louis qui est avocat, secrétaire de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, secrétaire de la Fédération des barreaux d'Haïti. Et bien, depuis le 22 juillet 2022, et bien, DCPJ procédait à arrestation en dehors de la loi. Et que, en pile parcours fait, en pile démarche faite auprès du tribunal et auprès du doyen, en habeas corpus, doyen en bas agir. Nous fait appel va gagner assez de courage pour nous appliquer la loi. Eh bien, dossier, l'idée trouver devant cabinet d'instruction. Eh bien, nous gagnons pratiquement nous gagnons 9 mois depuis dossier ça devant cabinet d'instruction et que cabinet d'instruction pas jamais rien ordonnance li, par rapport avec dossier ça. Malgré que nous adresser deux requêtes en main levée auprès des juges là. Juge là pas jamais prononcé sur requête en main levée et pas jamais rendre ordonnance de clôture qui capable terminer par une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi. Eh bien, nous trouvons-nous dans l'obligation pour nous adresser une deuxième requête auprès des juges d'instruction. Bien, ça c'est requête que nous, même avocats avec Robinson Pierre-Rio, nous adresser auprès des juges d'instruction pour nous demander pour rendre ordonnance dans le plus bref des délais pour que les capables voyez dossier pas devant la justice pour la justice décider définitivement. Nous ne pas dire ordonnance de non-lieu, nous ne pas dire ordonnance de renvoi. Mais nous-mêmes, pour nous satisfaire, il faut que les respecter la loi. D'ailleurs, l'article 7 de la loi sur la peine pénale, qui ça le dit, le dit juge d'instruction disposé d'un délai
de 3 mois pour instruire le dossier. 2 mois pour instruire, 1 mois pour rendre ordonnance. Et passer de ça, le juge a violé la loi, il a violé la liberté individuelle. Et bien, la Constitution est claire là-dessus. Il dit quel que soit le monde qui viole la liberté individuelle ou commet un acte gros poignet, et les gens qui sont victimes des actes gros poignet, ils sont capables de traîner devant la justice sans aucune autorisation au préalable. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons les devoirs pour nous rappeler le juge d'instruction. Hein? Il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Eh bien, la loi fait obligation pour rendre ordonnance dans le plus bref des délais. Eh bien, je dis à nous gagner 9 mois, le juge d'instruction n'a pas prononcé sous question ça. Eh bien, sous base ça, nous avertir. Pour nous dire, eh bien, la loi est capable de servir contre lui. Et c'est ça, nous-mêmes, ensemble, avocats de Maître Robinson Pierre, nous avons fait dans l'éventualité où il n'est pas obtempéré, il n'est pas respecté la loi. C'est ça qui fait que nous avons un délai de très très court pour agir. Et nous rappelons que nous ensemble des dispositions internationales que le pays d'Haïti a ratifié, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 8 et 9, eh bien, qui fait juge d'instruction, yon esclave de la loi. Et dans l'éventualité où le pas respecté, nous dit déjà, eh bien, n'a fait ce que du droit. Et c'est ça qui fait nous adresser requête ça auprès des juges d'instruction pour que l'I agit dans le plus bref des délais. Et nous rappeler, nous dit la Constitution dans l'article 27, l'est clair. Et la loi dit, dans l'éventualité, un juge l'a violé la loi, il gagne un délai pour rendre instruction, il pas rendre instruction dans le délai légal, ou capable d'attaquer pour délit de justice. Eh bien, je dis à encourager notre avocat, à encourager les justiciables pour que vous commencez à attaquer quelle que soit autorité qui a violé le loi de manière systématique. Donc, nous-mêmes, nous avertissons, eh bien, les passibles de déni de justice, les passibles par rapport avec disposition constitutionnelle dans l'article 24 et ensemble des instruments internationaux. Récemment, nous connaissons DCPJ sous instruction ambassade américaine mandé pour que yo arrêté Berto Dorsé dans cadre affaire zami et munitions yo des jeunes dans bateau missile dans port de paix. Et nous ouais juge d'instruction li pas jamais manifester volonté pour que li instruit et rendre ordonnance d'arrêt à l'encontre de Berto Dorsé. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui a dit juge ça a yo remettre dossier Maître Robinson Pierre Louya, c'est un juge de l'équipe. Pour qui ça son juge de l'équipe? Parce que il y a suffisamment éléments et preuves dans mail pour arrêter monde qui impliqué directement dans question trafic d'armes et munitions dans pays a, monde qui n'a fait corruption, monde qui fait dans trafic d'influence. Eh bien, yo joint Berto Dorsé lui-même li impliqué jusqu'au cou dans cadre dossier ça. Et je dis le juge d'instruction dit pas bien assez de kilos pour que li procéder à la contrainte par corps de Berto Dorsé et nous informer l'opinion publique nationale et internationale si juge d'instruction est capable de faire abus, qui est capable d'abuser de droit Maître Robinson Pierre. Cependant, les gens qui impliqué effectivement dans le cadre de dossier ça, eh bien, qui c'est Berto Dorsé et son équipe PHTK, eh bien, ils n'ont pas jamais agi à l'encontre, eh bien, la fait travail de l'équipe, ils pas fait travail la loi, et nous-mêmes nous réservons le droit pour que nous attaquions au moment opportun. Merci, merci, merci. Et par le fait que notre confrère, Maître Issoué Théophane,
faut avoir une pire clarification sur des points qui font partie de la conférence. Là. Et moi-même, je ne suis pas obligé long. Et que c'est comme ça que je décide seulement pour fixer position sur les trois points suivants. Le premier point, c'est un ensemble de décisions entachées de démagogie. Alors, ensemble de sanctions entachées d'un ensemble de démagogie qu'apprend je ne vous dis là par des acteurs de la communauté internationale, par des sociétés occidentales comme Canada, les États-Unis et l'autre encore, pour continuer à passer les Haïtiens en Tintin. Et le deuxième point, c'est le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, qui c'est un bagage qui était prévu depuis longtemps et que tu es toujours à dénoncer. Et le troisième et dernier point sur lequel moi-même je vais fixer ma position, c'est méchanceté qu'il a continué à faire barreau Port-au-Prince. C'est injustice, c'est discrimination qu'il a continué à faire barreau Port-au-Prince. En continuant à maintenir maître et Robinson Pierre, lui, dans la détention préventive prolongée. Maintenant, pour nous cohérents, pour nous méthodiques, premier point. Quel est le sens de toutes ces décisions et qui viennent d'être, de toutes ces sanctions, qui viennent d'être prises par une frange de la communauté internationale, pour tout temps dit, il y a avancé son équipe homme d'affaires, il a avancé son paquet de politiciens, il a avancé son paquet de monde. C'est comme si moun sa yo, c'est yo qui contribuait à la gangsterisation de la République d'Haïti. Nous-mêmes, dans le cadre de réflexion que ça n'a dit, n'a dit question ça me penser, il y a deux aspects qu'il faut voir là-dedans. Le premier aspect, n'a compris en formulant la question suivante. Attendez bien, oui, c'est très intéressant. Question que je vais poser là. Depuis qu'il est que ces sociétés occidentales ont cessé de collaborer en Haïti avec ces corrompus, avec ces contrebandiers, avec ces trafiquants d'âmes, ça ne me le dit pas là. Toute vie, je suis un grand monde, je vous dis à net, toujours apprendre la réalité, la caille, moi. Ces puissances occidentales ont toujours soutenu au pouvoir dans les sociétés périphériques comme pays d'Haïti au pouvoir, oui, moun ki pi salio, moun ki pi corrompu, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les trafiquants de munitions. Et que depuis longtemps, les États-Unis, le Canada, la France et l'autre encore, ils ont toujours exprimé une sorte d'hostilité à tout le monde qui est honnête, que le peuple a choisi, qui pouvait diriger le pays. Donc, bref, ça ne me le dit pas là. Je ne le dis pas là que ce qu'on a fait là, son sorte de chantage, son diversion, pour empêcher nous d'identifier les vrais corrompus, les vrais détracteurs, les vrais trafiquants de drogue, comme Michel Joseph Matéli, Ariel Henry, et l'autre encore que les ambassades de ces sociétés occidentales ont placé au pouvoir de notre pays. Donc ça ne me le dit pas là. Je ne le dis pas là que ça fait gangsterisation. C'est l'affaire des ambassades des sociétés occidentales. Massacre qui gagne dans le pays, c'est affaire ambassade pays qui piriche. Et que faut que suspendre passer monde dans le tintin. Mais ça pour nous dit tout. Nous pas égarer mon cap répété comme des imbéciles, des idiots. Rapport ça yo. Sanction ça au cap bal la tout. Nous pas cap prendre comme parole l'évangile non. Et que tout monde qui là dedans yo pas des coupables. Gen quelques monde là yo fourré l'en rapport ça yo, c'est des monde depuis longtemps qui pas jamais voulait effectivement mettre yo au service de la communauté internationale. Et que je vous dis à la, vous tout profitez, vous fourrez non yo le rapport là, vous tout profitez sanctionné. Forme nous, à la prochaine,
nous espérons que nous allons avoir la possibilité de vous donner les noms des innocents qui sont frappés par des sanctions injustes. Il n'est pas fini juste net, non. Et vagabond là de autour, oui. Mais à la prochaine, nous avons non vagabond et nous avons non mon sécur. Deuxième point, c'est la question de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Attendez bien. Mes amis, moi-même, Maître Isoui, Maître Nathalie Deliska et l'autre, pour pas qu'elle soit avocat. Nous pas de jambes suspendre, rappeler pour l'attention du peuple haïtien que l'appareil judiciaire n'a pas fouti rester fonctionner pendant longtemps. Mais c'est élémentaire. Pour qui ça me dit c'est élémentaire? Attendez bien, oui. Quand monde de bien se retrouve au pouvoir, sans affaire normale pour que l'institution a fonctionné normalement, pour que la justice a fonctionné normalement. Mais attention, quand ce sont les délinquants, les voyous, les dilapidateurs, les trafiquants de drogue qui dirigent, on ne pourrait pas leur demander de contribuer à la bonne marche de la justice. Nous dit là, c'est normal, ces vagabonds, moi au pouvoir, pour me quitter la justice fonctionner. Rappelons bien, le nom de M. Ariel Henry est cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse. D'ailleurs, il y a l'autre nègre qui a arrêté. C'est Garelier pour le quitter la justice fonctionnaire. Le nom de M. Ariel Henry est cité dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Parce que, pas oublier, bon Rafael Ban, gros tonton fond, le tap décaissé, M. Ariel Henry, où est-ce qu'il se retrouvait? Vous avez oublié? C'est un dans le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est un ministère juridique, non? Son ministère clé. Quelle autre infraction compte non, monsieur, c'était là-dedans. Donc, bref, voilà pourquoi l'Ichita avec moi, Rafa, l'acteur de l'appareil judiciaire, il dit qu'il ça moins. Bref, vous voyez ça que fait avocat obligé de chita la caillou, juge obligé de chita la caillou, quelqu'un est en bas dans le justice, c'est ça que pas grand pour vous faire. Quand vous passez mon tête, ou bien tout, ce sont des magistrats, des avocats, nous avons dit, qui proches et qui cap dirigeant. Donc, ça ne vous le dit pas là, c'est une évidence. L'appareil judiciaire est paralysé et ça fait garder mon kounya là ou al quitter à souffler. Ça fait garder mon kounya ou al quitter à touiller. Ça fait garder mon jeune yodia là ou al quitter au grand caillou. Ça fait garder mon jeune yodia là ou al quitter au grand terreau. Ça fait garder mon jeune yodia là ou al quitter au tuer petit tout. C'est très bien. Bon, mon ami, c'est ce même, ça va mourir, frère, pour diable. Et ça, pidou là, parents sont pas qu'être égarés. Mal pour inviter, pour vous venir rejoindre dans le cadre de mobilisation, pour nous voir comment nous devons débarrasser le pays de tous ces dirigeants corrompus que les États-Unis ont nommés. Nous devons faire un bagage ça. Eh bien, famille va mourir en prison ou pas. Mais espérez à comprendre sans message ça. Troisième et dernier point, je finis net pendant une minute, deux minutes. Un petit calme dans tout petit, oui? Attendez. Mes amis, ça, c'est trop preuve de passivité. Ça, c'est trop preuve de laxisme. C'est pas possible. Se retrouvent des avocats dans une société, d'ailleurs moi-même, dans le cadre de ma formation sociologique et juridique, nous toujours apprendre que monde qui étudie droit, t'as supposé, et pas ça moi là non, je t'as supposé de véritables remparts de la démocratie. Autrement dit, le monde qui fait droit, il n'est pas capable pour le mouiller. Les gens violation droit monde devant, c'est le premier monde qui t'a pour supposé lever droit lui pour le dire c'est pas possible, ça va continuer. Mais je ne veux dire là à qui ça assisté dans le pays. Ou qu'on a qui ça assisté dans le pays. Mais on prend deuxième chef avocat yo, yo bourrel en prison, yo humilié. Là m'a parlé de Maître Robinson Bienvenu. Les avocats se taisent. Ils ne disent absolument rien. Mais on a arrêté nèg là. Presque gagné 2 ans. Pourtant, on dit instructeur, on dit instruction qui t'a supposé durer 2-3 mois. Les avocats se taisent. Ils ne disent absolument rien. Vagabond qui humilie Robinson Bienvenu. Où ça avocat? Qui fout le bail où ça? Les avocats se taisent. Ils ne disent absolument rien. Où ça t'a voulu dire? Oui. Il faut que nous exprimer solidarité nous avec M. Pierre Espérance. Que le gouvernement dominicain, dans le cadre de la bataille bien espérance, a mené contre le pays, contre le pays qui a facilité
pénétration zam fait dans pays a et n'a rappelé pour population youn nan moun ki te di République Dominicaine son passoi côté zam ak munition passé pour vinn touyer petite malheureux malheureuse dans pays a c'est des pieds espérance et jodiyan les nouvelles lis nan lis moun République Dominicaine fait sortir et puis fourré nos pieds espérance la donne nous on c'est dilatoire qu'a fait nous on c'est manipulation qu'a fait pour yo capable sanctionner pieds espérance par rapport avec un secret par rapport avec un ensemble de malversations qu'a fait en République Dominicaine pour pourrir la vie population haïtienne. Donc nous dénoncer et nous dit Abinader ou bien Porès qui c'est bons amis Bidjo et nous connaissons des sanctions canadiennes, des sanctions américaines qui prennent à l'encontre de Bidjo. Nous avons sorti une liste. Nous ne pouvons pas Bidjo là-dedans. Cependant, nous connaissons Porès qui c'est un homme qui c'est gros supporter et Abinader. Eh bien, c'est bons amis Bidjo. Eh bien, nous comprenons, je a, eh bien, pour les gens, il faut que vous créez une sorte de diversion, une sorte de distraction. Donc, nous restons de river les mains, diversion et distraction. Nous disons, ce n'est pas possible, je ne dis pas, si vous avez des batailles qui ont fait contre la corruption dans le pays, quand vous avez un juge, Jean-Wilmer Morin, qui saisit des dossiers, la famille Belle, pour corruption, pour faciliter les armes pénétrées sur le territoire national. Là. Et que gagne un cabinet d'avocats, qui c'est le cabinet Maître Padistin et M. Gervais Charles, qui constitue et qui fait une récusation en masse. Nous devons faire une considération scientifique. Sur le plan scientifique et légal en matière pénale, pas de récusation. Nous disons ça avec Madiste M. Gervais, pas de récusation en matière pénale. Et en matière pénale, le droit est d'application stricte. Si nous regardons l'article 429 code d'instruction criminelle là, qui trace la procédure à suivre, qui ça dit ou capable d'exercer une demande en renvoi. Si toutefois vous avez désaisi le tribunal là, vous exercez une demande en renvoi. Sur ce, nous dit juge Jean-Wilmer Morin, pour ne pas occuper la question de récusation en masse là. Et ça a causé un problème de déontologie et un problème d'éthique. Comment vous faites directeur d'une fondation, d'un organisme des droits humains qui a produit rapport sur l'ensemble des mondes pour corruption, pour vol, pour déstabilisation dans le pays? Et puis c'est vous-même qui êtes avocat, un corrupteur. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'autre monde va pas dire c'est règlement de compte ou gagner avec eux et ou faire rapport sorti contre eux? Donc nous-mêmes nous dénoncer et nous demander fondation Géclairé, il faut qu'ils prennent une décision dans le dossier. Ce n'est pas possible. Sur le plan éthique, sur le plan déontologique, sur le plan moral, mettre là va faire nous ça. Ou pas qu'à bataille contre corruption. Ou faire rapport en bon et puis ou reler l'autre monde à venir dans le cabinet et ou constituer pour eux et ça a venir constituer une sorte d'impunité lors ou dit bon ou font récusation en masse. Récusation en masse là, nous on dit ça, ça veut dire c'est tout tribunal là net. Il dit moun sa ou pas venir devant tribunal là. La loi est claire, il dit maintenant qui condition capable faire, c'est soit pour suspicion légitime ou sinon pour cause de sûreté publique. Bon, pas gagner et faire ça yo, pour qu'ils soient fait récusation en masse. Donc, merci beaucoup.